Je te suis. Vas-y comme ça, si c'est bon pour toi. On y va. Pour moi, c'est le berceau de l'humanité. Déjà, c'est un immeuble, ici l'Institut est vraiment un immeuble inoubliable et formidable à voir. Je découvre aussi que les multifonctions en termes de musée, en termes d'aquarium, à travers l'étude, que oui, c'est un vrai centre important qui a besoin d'être étendu encore, car son importance, il est vraiment dans notre survie. Voilà. C'est un film que j'ai fait il y a 30 ans. Ça a changé ma vie, surtout parce que, bien sûr, c'était un succès, des choses comme ça, mais la découverte de l'apnée, pour moi, était magique. C'est des concerts où on ne peut qu'entendre qu'à travers le côté conducteur de l'eau. Moi, je lis soit en dehors de l'eau, soit sur l'eau, ou des fois dans l'eau, avec un scaphandre, je lis des poèmes ou des fables. Et le spectateur, pendant une heure et demie, est dans une eau chauffée à 33 degrés. Il y a une centaine de personnes. Et pour mieux l'expliquer, c'est l'opposé de ce qu'est un nightclub. Le dauphin, pour moi, il m'a donné la sensation de la liberté, que la liberté, c'est une chose seule.